Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici d'abord le sommaire. Les avantages compétitifs du Togo ont été exposés hier par le chef de l'État, Forissos Binania Simbe, au Forum économique annuel de Doha. Poursuite de l'examen du bac 2, le ministre de l'Enseignement supérieur, Majesté Iou Wateba, a visité 4 centres d'écrit ce matin à Lomé. Magazine Santé Plus, l'infertilité masculine est au cœur des échanges entre Elisabeth Barandao et son invité. Et puis sport, volleyball, les entraîneurs de niveau 1 sont en recyclage à partir de ce mercredi. Pendant 4 jours, la quarantaine de participants ont amélioré leurs compétences sur les techniques de formation des enfants. Radio-Lomé.tg. Forum économique annuel du Qatar, le président de la République Forissos Binania Simbe a été hier l'hôte d'une session dédiée au Togo. Grâce Goto. Au cours de cet exercice qui a rassemblé un aréopage de représentants d'institutions financières internationales, d'entreprises et de diplomates, le chef de l'État a élargi la réflexion globale en s'inspirant des choix, des expériences et des perspectives du Togo. Seul intervenant en provenance d'un pays francophone d'Afrique au cours de la séquence consacrée au futur du continent intitulée « In Conversation with President Nyasingbe », le dirigeant togolais a évoqué les ressorts de l'inclusion socio-économique de notre pays dans un contexte de crise sanitaire et économique et mentionné les préoccupations posées par l'inflation et l'insécurité au plan régional. Forissos Binania Simbe n'a pas manqué de mettre en lumière les avantages compétitifs du Togo et l'attractivité que représente la possibilité de développer des chaînes de valeur tout en profitant de la compétitivité du port autonome de Lomé. Face à la dégradation du contexte sécuritaire régional, une réponse multidimensionnelle est apportée par le Togo avec une composante essentielle sur la lutte contre la pauvreté. Le Togo met en œuvre une feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, moderniser le pays et renforcer ses structures. Grâce Goto, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Iou Wateba, s'est rendu dans 4 centres d'écrit ce mercredi à Lomé pour faire le constat du déroulement du bac 2. Il était au lycée de Tokoin, de Bepota, d'Agwenive Est et au lycée technique d'Adido Gomé. Compte rendu, Aimé Sougliman, Marie-Claire Pagnon. Le ministre Majesté Iou Wateba s'est d'abord rendu au centre d'écrit du lycée de Tokoin Est, puis de Bepota, Agwenive Est et au lycée technique d'Adido Gomé. Dans ces 4 centres, le ministre a prodigué des conseils aux candidats et leur a souhaité bonne chance. Cette année, ça n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. Nous enregistrons 74 305 candidats pour tout le Togo, pour tous les baccalauréats confondus. L'autre disparité, c'est aussi les séries littéraires. Sur 7 candidats au baccalauréat, 4 viennent de la série A seule. Et quand vous l'accumulez avec la série D, vous aviez 6 élèves candidats au bac sur 7 qui viennent des séries générales. Ce qui est quand même préoccupant en ce sens que les filières porteuses aujourd'hui, que sont les filières scientifiques et techniques, ne représentent que 1 candidat sur 7. D'où une nécessité de faire un travail pour inverser la tendance, étant donné que c'est les filières qui sont plus porteuses. Au total, 74 305 candidats composent. Certains élèves s'expriment. Bon, comme c'est le bac de vie, bon, je me suis bien préparé pour avoir une mention très bien. En français, bon, je fais de mon mieux pour décrocher une bonne note, quoi. Je sens un petit stress, mais je sais que ça va passer lorsque je vais avoir le prof. Parce que je suis confiant que j'ai bien appris et je vais bien restituer ce que j'ai appris au cours de l'année. Bon, je suis plus à l'aise en dissertation. Le bac 2022 prend fin samedi. Le corps d'un homme en décomposition avancée a été repêché ce matin à Lomé dans la lagune de Nyekonakwe par les sapeurs-pompiers. Un phénomène récurrent qui laisse sans voix les riverains. Notre équipe était sur les lieux. Milek Agboukou.
Comme tous les jours, Nyekonakwe s'est réveillé sous le beau soleil, mais une victime de noyade a rassemblé les populations, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers tôt ce matin au bord de la lagune. Il s'agit d'un corps d'un jeune homme flottant dans les plantes nénuphars. Le comité ad hoc, mis en place par les chefs quartiers de Kodomé et de Nyekonakwe, chargé de veiller sur la lagune, se prononce. C'est ce matin que le corps a submergé sur l'eau. Sinon, quand le corps submerge sur l'eau comme ça, ça a duré sous l'eau, au moins 3 jours. Et c'était sous l'aide d'Unifar, les herbes aquatiques. Donc réellement, ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que ce n'est pas noyade ou bien bon. Parce que souvent, quand il y a de ces trucs-là, directement, on voit la chose trop criminelle. Il n'est pas pêcheur et on ne l'a pas identifié. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit sur les rives de la lagune, nous disent les riverains. Ces derniers sollicitent l'aide du gouvernement. Juste ce matin, nous venons d'apprendre qu'il y a eu un mort sur notre lagune ici. Bon, nous sommes intervenus en tant que trésorier et président de la commission ad hoc qui vient nouvellement d'être mise en place. Parce que nous avons pu constater sur notre lagune ici, ce genre de situation, ça se présente des fois, à peine 2 mois, que ce qui vient de se passer, s'est passé. Ce que nous, on souhaiterait que, s'il y a la possibilité, le gouvernement peut nous aider, l'enlèvement de ces nénuphars-là. Puisque, entre-temps, ce que nous avons pu constater, il avait voulu pleuvoir, donc le vent a fait déplacer les nénuphars vers la frontière. C'est là on a su que, voilà, il y a un cadavre. Admettons que le vent n'a pas enlevé les nénuphars, là, le corps allait rester sous les nénuphars jusqu'à en voie de décomposition ou même décomposé. Pour l'instant, les causes réelles de cette noyade est inconnue. Décidément, que chacun prenne les dispositions pour éviter dorénavant ces incidents. Merci à vous, Milek Agboukou. Demain sera célébrée la Journée mondiale de la fonction publique. Dans sa série de dossiers sur cette journée, notre rédaction reçoit l'un des anciens journalistes retraités depuis 2007. Il s'agit de Tchotchoko Bonfo. Voici un extrait de son témoignage sur la retraite. La retraite est très difficile. Il y a un contre-coup qui nous dit qu'on la prépare. Alors dès les 5 ans qui restent, on commence déjà par serrer les ceintures, économiser, et c'est ça comme ça que on s'en tire à bon compte, soi-même le retraité, et la femme et les enfants. Et surtout quand on est malade, il faut se faire soigner rapidement. Je mange sobrement, et puis ensuite je bois pas d'alcool. Et notre avantage aussi pour d'autres qui ont reflété un peu l'image d'un bon causeur à la radio, on nous invite de temps en temps dans de petits travaux ou qu'on donne les pécules. Par exemple, je suis en train de préparer un document sur la communication rurale au Togo. C'est bien fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la radio rurale au Togo? Alors, éviter la paresse, surtout le retraité. Pas trop dormir aussi. Et surtout, quand on est malade, il faut se faire soigner rapidement. Le 4 octobre prochain, j'aurai 73 ans. De temps en temps, j'ai des problèmes de vertige et autres. Quand je veux pas manger ça, je veux manger ça. Des fois même, je ne mange même pas. Parce que j'ai trop bu de tchoukoutou. Actuellement, avec mon aise sciatique, pour l'âge, on me dit de boire une bouteille d'aoyo par semaine. Tchotchoko Bonfo sera l'invité de la rédaction demain jeudi. On les reconnaît tout de suite avec leur poussette proposant des repas aux clients. Cette restauration à la sauvette pourrait laisser à désirer du fait des conditions d'hygiène et les risques sanitaires pour les consommateurs. Les contours de cette restauration à la sauvette dans ce magazine de Geneviève Ognon. Moussa, la vingtaine, nous l'avons rencontré dans les rues, traînant sa poussette. Dans sa poussette, on retrouve des thermos contenant de l'eau chaude, du carton de Lipton, du café, des boîtes de lait, du sucre, des œufs, de la tomate, de l'oignon, du pain, de quoi régaler la plupart des clients. Il y a œufs, il y a pain, il y a Lipton, il y a citron, il y a café, lait. Mais pour faire café ou lait avec pain. Moi, je veux du citron, lait. Pour ce qui est de l'hygiène, chaque vendeur va de sa propre méthode. Pour mettre les choses au propre, je nettoie. Et des fois, même en route, il y a la poussière. Je lave les matériels dans lesquels je fais les tirs et autres. De l'eau, du savon. Pour aller me mettre à l'aide. Je mets l'eau dans une bouteille. Arrivé là où il y a l'herbe, je vais là-bas. Puis je prends les bouteilles à eau. Je fais mes besoins. Puis je reviens. Et je lave mes mains.
Pour certains professionnels de la santé, la restauration à la sauvette peut engendrer des risques d'intoxication alimentaire. Mathieu Bonou Tobosi, spécialiste en hygiène et qualité alimentaire. La cuillère qui est utilisée, la poêle qui est utilisée, l'eau de chauffage qui est utilisée, les plats dans lesquels on vous sert et ces repas-là, l'eau chaude du thé, c'est dans un gobelet plastique. Alors que le plastique est un perturbateur endocrinien qui va faire que les troubles de fertilité vont se révéler plus tard. L'emballage plastique dans lequel on va servir le spaghetti est aussi cancérigène. L'eau de nettoyage des ustensiles, est-ce qu'elle n'est pas contaminée? Le vendeur même est en train de cracher avec du cuivre dans la bouche. Il est en train de bavarder. Ses salives sont en train de tomber sur le repas qu'il est en train de servir. On s'en fout de tout ça et puis on prend, on mange. Au vendeur comme au consommateur, Mathieu Kou nous donne des conseils. Au consommateur, il faut qu'il commence par s'assurer de l'hygiène physique du vendeur et de tout son arsenal de vente. Pour ces gens d'alimentation, souvent, ça se mange rapidement, debout ou bien en circulation. On ne mâche pas bien les aliments parce que la première digestion commence au niveau de la bouche. Lorsque vous avalez les aliments, la suite de la digestion est problématique. Au vendeur, je vais leur dire d'avoir une hygiène physique acceptable, d'avoir un carnet de vaccination à jour pour ne pas constituer un danger public pour les consommateurs finaux, de s'assurer de la qualité des ingrédients culinaires qu'ils vont utiliser. Bien qu'il puisse s'avérer risquant, ce commerce permet à ces vendeurs de vivre car il n'y a pas de sous-métier. Merci à vous, Geneviève Pognon. Ce communiqué de la HAC, la première session ordinaire de l'année 2022 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication consacré à la délivrance et au renouvellement de la carte de presse, à l'autorisation d'installation et d'exploitation des web radio et web télévision, aux déclarations de parution des publications nationales et en ligne en mode écrit se tient les 27, 28, 29 et 30 juin 2022 à Cara. À cet effet, le président de la HAC invite les promoteurs et les professionnels des médias intéressés par le présent communiqué à déposer au secrétariat général de l'institution leur dossier tous les jours ouvrables de 7h30 à 11h30 dans la matinée et de 15h à 17h dans l'après-midi. La date limite de dépôt de dossier est fixée au vendredi 24 juin 2022. Passé ce délai, aucun dossier ne sera reçu. Le journal Bénédicte Ganda. Dans l'actualité internationale, la RDC, la dépouille de Patrice Lumumba est arrivée ce matin au pays. Ce retour marque le début d'une tournée d'une dizaine de jours à travers le pays. L'occasion de rendre enfin hommage au premier ministre congolais assassiné il y a plus de 61 ans. Et puis en Afghanistan, au moins 1000 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre. Le séisme d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter est survenu à proximité de la ville de Khost dans le sud-est du pays, tout près de la frontière avec le Pakistan. Les autorités craignent que le bilan s'alourdisse. Sans transition, Santé Plus, des études montrent de nos jours que la qualité du sperme est en déclin. De 200 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme avant, l'homme se retrouve aujourd'hui avec 15 millions par millilitre. Cela est dû à plusieurs facteurs polytoxiques et environnementaux. Conséquence, de nombreux couples souffrent d'infertilité. Suivons cet entretien sur la thématique avec Dr Moïse Fiadjo, directeur des affaires médicales et des soins à la clinique Biassa. Il est interrogé par Alice Berthe Barandao. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes médecin et vous traitez diverses maladies dans votre clinique, notamment l'infertilité des couples. Beaucoup souffrent de cette affection, mais ne se dévoilent pas. Est-ce que l'infertilité est une maladie honteuse, docteur Fiadjo? L'infertilité n'est pas une maladie honteuse. Quand on n'arrive pas à avoir d'enfant, il faut en parler. Ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent à de nombreux couples de faire des enfants. Malheureusement, tous les couples qui viennent dans les centres de fertilité n'auront pas leur enfant, qui ne risquent rien à rien. Je pense qu'il faut aller consulter et faire les traitements, qui sont des traitements qui ont fait leur preuve et qui doivent permettre aux couples de réaliser leur rêve de paternité ou de maternité. En cas de problème de stérilité dans les couples, on fait souvent de la misère à la femme, l'accusant de tous les maux. C'est à tort ou à raison? Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, ce n'est pas simplement la femme qui est responsable. C'est une part de la femme, une part de l'homme. Et comme vous le savez, l'homme joue un rôle très important. Le spermogramme, l'analyse du sperme, est l'élément essentiel pour tester la fertilité de l'homme. Oui, justement, docteur Fiadjo, est-ce qu'il faut vraiment se fier aux résultats du spermogramme souvent posé par
des biologistes. La lecture d'un spermogramme a une part très subjective, c'est-à-dire que ce que le biologiste vous dit, que vous devez croire. Donc, si le biologiste n'a pas suffisamment de compétences pour pouvoir vous donner les bons résultats, vous allez partir sur de fausses notions. Voilà qui complique la situation des couples infertiles. Dites-nous, les laborantins, les biologistes, continuent-ils d'analyser manuellement le sperme ou avec la technique, il y a une évolution des choses? Aujourd'hui, il y a des techniques de comptage automatique des spermatozoïdes qui permettent non seulement de compter le nombre de spermatozoïdes, de compter la mobilité, mais de quantifier la morphologie et de voir d'autres paramètres. Ainsi, on peut mieux prendre en charge les couples qui ont des problèmes de fertilité et leur permettre d'avoir un enfant. La clinique Biassa dispose-t-elle d'un tel équipement? Nous disposons donc de cet équipement depuis 2 ans pour les patients qui viennent faire le spermogramme. Nous faisons un spermogramme, nous donnons des résultats qui sont des résultats fiables. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. À présent, football, la 9e et avant-dernière journée de la phase finale du championnat national de 2e division. Ce mercredi, leader au classement, Tambo de Dacha aura à cœur de confirmer face à Étoile Filante de Lomé qui se bat également pour la montée. Mileka Boukou. Avec 18 points au compteur, le leader Tambo de Dacha affronte au municipal de Palimé, Étoile Filante de Lomé, 3e avec 14 points. Chaud d'explication au municipal de Sokoré, entre Fouada de Dapaon, 4e avec 8 points, et Espoir de Zio, 2e, 17 points. Le municipal de Kara sera en attraction pour l'explication entre l'avant-dernier et le dernier Doumbé de Mango, 5e, 6 points, reçoit Kouroki Matete de Chamba, 6e, 2 points. Tout le match se joue à 15h. Volleyball, le nouveau bureau de la Fédération togolaise de la discipline lance ses activités. Il organise depuis ce mercredi à Lomé un stage de recyclage à l'intention des entraîneurs togolais de niveau 1. Noël Kokoutadegno, président de la Fédération togolaise de volleyball. Ils seront une quarantaine avec un expert français, une formation pratique de recyclage parce que c'est des entraîneurs qui ont déjà eu à passer le niveau 1 de la Fédération internationale de volleyball. Vous savez tous que la pandémie à Covid-19 a fait qu'on n'a pas eu d'activité. Ces entraîneurs ont besoin de recyclage et pour nous, il est quand même important de pouvoir les retrouver et puis leur donner encore des éléments pour qu'ils puissent retourner sur le terrain parce que notre priorité en tout cas pour ces 2 ans-là, c'est de retourner à la base, travailler pour la formation des enfants. Et pour réussir cette formation des enfants, il faut que les entraîneurs soient bien encadrés aussi, soient bien formés aussi. Donc nous accordons une importance particulière à la formation des formateurs afin qu'ils puissent transmettre comme il faut les fondamentaux du volleyball aux enfants. La formation prendra fin samedi prochain. Cannes féminine, Maroc 2022. La sélectionneur nationale Kai Tomiti a dévoilé ce mercredi la liste des joueuses sélectionnées pour la compétition. Elles sont 24 à être appelées, dont 8 expatriées, 3 gardiennes de but, 8 défenseurs, 8 milieux et 5 attaquantes. Le Togo partage la poule F avec le Cameroun, la Zambie et la Tunisie. La Cannes féminine Maroc 2022 se déroulera du 2 au 23 juillet prochain. Les résultats du tirage numéro 50/2022 de l'autosport. Il s'agit des numéros suivants. 02, 08, 09, 25, 34, 36, 49, soit 7 matchs nuls. PP, 38, 42. Et puis l'information insolite pour terminer. Un pilote s'endort 10 minutes en plein vol lors d'un vol à New York-Rome. La tour de contrôle a tenté de joindre le cockpit sans réponse et réitéré ses appels. Le commandant de bord ne répondant à aucune tentative de communication pendant 10 minutes. Une alerte terroriste a été alors déclenchée pour l'Airbus A330. La tour de contrôle était en train d'appeler l'armée de l'air pour demander une intervention quand le commandant de bord les a finalement rappelé. La compagnie aérienne venait de réussir à joindre les deux pilotes via leur téléphone portable satellite. Au terme d'une enquête, le pilote a été licencié pour faute grave par sa compagnie. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Les avantages compétitifs du Togo ont été exposés hier par le chef de l'État Faure Issa Zinagnon Simbé au Forum économique annuel de Doha.
Poursuite de l'examen du bac 2, le ministre de l'Enseignement supérieur, Majesté Iouateba, a visité 4 centres d'écrit ce matin à Lomé. Très bonne suite de programme sur nos antennes. C'était la grande édition de la mi-journée. Présentation Bénédicte Kanda, réalisation Alidou Rakibou. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg.